Au départ, j'ai voulu mettre dans une bouteille un produit qui ressemble à la signification, ma signification du jardin philosophique. Le jardin philosophique, pour moi, c'est la région, cette belle région où nous nous trouvons, assez pure, c'est son climat et c'est son art de vivre. Donc aujourd'hui, vous trouvez dans le jardin potager, dans le jardin nourricier, comme il était il y a des siècles, des fleurs, des fruits qui doivent ici nourrir au moins 50 personnes dans l'entreprise et autant d'invités tous les midis. Donc, il doit symboliser aussi un nouvel art de vivre. Il y a des fleurs et des fruits dans des parterres un tout petit peu partout. Donc, c'est ça, l'art de vivre, ce que j'ai voulu emmagasiner dans une bouteille par un produit qui ressemble à ce que je viens de vous décrire. Dans les jardins philosophiques aussi, il faut exprimer la couleur. Alors la couleur de nos paysages, la couleur des saisons. Et ici, vous trouvez avec une collection de roses qui expriment la couleur du vin en particulier. Mais vous partez du blanc, les vins moelleux, les vins rosés, les vins rouges. Vous avez toutes ces nuances qui sont dans le vin et qui sont dans le paysage et qu'il faut mettre en bouteille. C'est ça aussi la bouteille des jardins philosophiques. Alors ici, les jardins philosophiques sont symbolisés par les vignobles de toute l'Occitanie. Chaque gloriette a ses propres cépages. Dans toute l'Occitanie, on a énormément de vignobles qui ont leurs propres cépages. Bien sûr, il y en a plus d'une centaine, mais j'en ai 26 qui sont originales parce qu'elles ont leurs propres cépages, leur propre histoire à raconter. Donc c'est aussi une partie de mon univers dans le jardin philosophique. Les jardins philosophiques symbolisent tout ce que j'ai ressenti dans tout ce que j'ai décrit dans tout ce sud-ouest. Alors j'ai choisi un cépage qui est pour moi un cépage emblématique qui pour moi est le cépage le plus complet, le plus original, qui est le petit courbu. C'est un vin qui doit être fruité, qui doit être généreux, dans lequel on doit prendre beaucoup de plaisir, qui doit durer, qui doit être long en bouche et qui doit avoir une très belle fraîcheur. Parce que Desjardins, c'est synonyme aussi de fraîcheur, d'onctuosité, de douceur, de velours. En un seul cépage, on arrive à symboliser tout ce que l'on décrit, tout ce que l'on entend par ces jardins philosophiques. Comme les prisonniers, là, la plaque.